Non, c'est pour faire, je vais parler. Je vais dire un truc. Ah non, non, mais non, mais. Exactement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez correctement m'entendre. Donc, j'ai été aux représentants syndicaux à venir sur site pour vous apporter mon soutien et par-delà ma personne, le soutien de mon groupe parlementaire qui est celui de la France Insoumise. Vous connaissez mon collègue Adrien Quatennens, que vous voyez souvent régulièrement, mon collègue Jean-Luc Mélenchon, avec lequel on est allé soutenir les salariés en lutte de chez Cargill, à Haubourdin, et moi-même qui suis aussi élu à Lille avec... C'est important de venir pour nous ici pour vous soutenir, pas pour vous faire des promesses. Je suis à la France Insoumise, on est dans l'opposition, je ne suis pas ministre, je ne peux pas vous donner d'aide plus que celle de la solidarité, de la fraternité humaine, et de vous dire de tenir bon et de rien lâcher. Parce que oui, cette situation est scandaleuse. Oui, vous avez raison de vous battre. Oui, on n'annonce pas à des salariés le 11... On peut m'applaudir, il n'y a pas de souci. Le 11 juin, que c'est terminé, après vous avoir fait bosser, y compris pendant le confinement. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Sans prime, par ailleurs. Sans prime. Et alors, au fil des explications qu'on m'a données... sur les raisons qui poussent ACFA à se passer de 175 personnes, de 175 qui demain n'auront plus de revenus, de rentrée d'argent, par-delà même le fait de ne plus avoir de travail. On me dit que ce sont des arrangements à l'international, de reconfiguration du groupe, au vu de faire on n'en ferait plus. Dites-vous bien que dans 100% des situations où on vous présente des licenciements économiques. Parce que quand vous regardez bien, il y a toujours une petite holding qui traîne au Luxembourg, quelque part, et une autre à Jersey, et une troisième dans un autre site. Et vous vous rendez compte que par des mécanismes comptables où on fait payer des loyers, on vous fait payer la marque, on vous fait payer le brevet, on vous fait payer des fonctions support, etc., etc., on arrive à rendre une entreprise... soit tout juste à l'équilibre, soit voire même déficitaire. Pourquoi ils font ça? Pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas payer d'impôts. Bah oui, parce que quand vous êtes déficitaire, vous payez moins d'impôts que quand vous faites des bénéfices. Ah. Et en plus, deuxième raison, pour moins vous payez vous. Intéressement. Et l'intéressement, il est en lien avec les bénéfices. Moins de bénéfices, moins d'intéressement. Pas compliqué à comprendre. Ils font ça partout. Tous les grands groupes internationaux le font. Tous. Sans exception. Alors, à des degrés divers, il y en a des plus ou moins malins. Il y en a des plus ou moins sophistiqués. Mais ils font tous ça. Donc, il faut au moins se battre à la fin pour avoir sa part. Je sais que c'est ce que vous faites ici. Vous pouvez dire, bon, ils vont fermer la boutique, on est en train de négocier le plan social. Mais comment on est notre part ? Pour ceux qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, que toutes ces années données, ces générations données, puisque je sais que certains d'entre vous sont les fils de leurs pères qui eux-mêmes étaient travaillés ici. Pour certains qui sont là depuis 15 ans, vous croisent régulièrement tous les jours l'entreprise qui est là depuis 85 ans. Et eux, pour des raisons de faire non pas du 3%, mais du 4% ou du 5% plutôt que du... 175 personnes dehors. Alors, on me dit, bon, il y a des nouveaux procédés technologiques de meilleure qualité parce que des brevets sont partis, parce qu'on n'a pas mis de l'argent dans la recherche et développement, etc. J'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. C'est pas la seule production que vous avez fait sur site. À chaque fois, vous avez su évoluer, vous adapter aux nouveaux besoins, réorganiser l'outil de travail. Il y a des qualifications, bien sûr que vous savez faire, mais non, encore une fois, pour des raisons purement financières, purement économiques, on se passe de 175 personnes qualifiées. Et ça, c'est pas admissible. C'est d'autant plus inadmissible
qu'on voit les belles personnes du gouvernement, le président en tête, nous expliquer que les délocalisations, ça suffit, qu'il faut relocaliser la production, qu'il faut sauvegarder l'emploi, parce que la crise du Covid, vous comprenez, il y a des suppressions d'emplois. Et donc quoi? Ils sont où? Il est où le gouvernement pour aider à maintenir les 175 emplois? Ah, on sait où ils sont. Ils sont derrière la directe. Et qu'est-ce qu'elle fait, la directe? En lien avec le préfet. Ils accompagnent l'entreprise. Éventuellement les salariés, mais ils accompagnent l'entreprise. Ils les accompagnent tellement qu'il y a un truc qui me révolte qu'on m'a appris, c'est que, alors même que quand il y a un plan social, normalement, on ne peut plus bénéficier des dispositifs de chômage partiel. Et on comprend bien pourquoi, il ne va plus y avoir d'activité. Donc c'est à la charge de l'entreprise, et non pas de l'État, de prendre en charge l'éventuel chômage partiel, puisque c'est leur décision. Pas la décision de l'État, c'est leur décision. Mais là, parce que la conjoncture économique, blablabla, on a pris une décision dérogatoire pour dire que l'État continue à... Il gagne sur tous les tableaux. Il vide les poches de l'État, il vide vos poches, il ne vous paye pas, il détruit des emplois, il détruit des familles. Et tout ça pourquoi? Pour un petit peu plus de pognon. Exactement, il détruit des familles. Tout, pour toutes ces raisons que vous avez la légitimité de lutter et de négocier, parce que chaque euro, c'est pas un euro que vous allez gratter ou parce que vous êtes plus important ou vous êtes plus sympa ou je sais pas quoi. C'est parce qu'ils vous les doivent. Ils vous les doivent. Donc ne lâchez rien. Je suis juste venu vous donner un message de solidarité et de fraternité. Moi, mes camarades de la France Insoumise qui sont là, qui viennent vous voir, les autres camarades, ceux de la CGT qui sont dans l'entreprise, dans l'usine, syndiquez-vous d'ailleurs au passage. C'est dans ces moments-là aussi où on se rend compte de la nécessité d'avoir des organisations collectives. Je vais me faire piquer par une guêpe ici. C'est envoyé par le patronat, ça. Donc, ça, c'est fait. C'est là qu'on a besoin d'organisations collectives. Et il faudra s'en souvenir, y compris pour ceux qui auront, je l'espère, d'autres expériences professionnelles dans la foulée. Peut-être qu'il y aura un repreneur, peut-être que quelqu'un reprendra le site. Faites pas trop attention aux belles paroles qu'on vous servira. Dans ces moments-là, on vous sert forcément et surtout que des belles paroles. Prenez ce qu'il y a à prendre, mais organisez-vous. Organisez-vous. Les laissez pas faire. C'est que le moment venu, quand il faudra réorganiser la production du pays, parce que c'est nécessaire, parce qu'on en a besoin, pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales, maintenant aussi pour des raisons sanitaires, on le sait, on aura besoin de vous. On aura besoin de toutes les femmes et tous les hommes de ce pays qui sont qualifiés et qui pourront fournir leur force de travail. Donc surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et à la fin, j'espère que c'est nous qu'on va gagner, comme dirait mon camarade François Ruffin. Merci à vous. Merci pour votre accueil.